have rules here. Follow them or else. Let's do this. Yeah, I'm thinking I'm back. Saved by the ball, I see. John Wick, le nouveau flipper de Stern. Let the games begin. Safe driving, my friend. Let's get you a weapon. Do what you do best. Fantastic. You and me. L'information a été confirmée officiellement par Stern Pinball ce mardi 7 mai 2024. Leur nouveau flipper sera bien basé sur la quadrilogie de films John Wick. En 2014, le réalisateur Chad Stahelski met en image l'histoire d'un tueur à gages à la retraite dont le petit chien, qui est l'unique souvenir de sa défunte épouse, est froidement assassiné par le fils d'un puissant mafieux et ses sbires. Ainsi est née la franchise John Wick avec Keanu Reeves dans le rôle principal. John Wick est une machine à tuer indestructible qui ne s'arrête devant aucun obstacle pour se venger de ceux qui lui ont causé du tort. Le quatrième film de John Wick est sorti au cinéma en mars 2023 et un cinquième est actuellement en développement. Je me lève. T'as plu la balade. Belle bagnole. Merci. Combien? Pardon? Combien pour ta caisse? Elle est pas à vendre. Passez une bonne journée, monsieur. Daisy. J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme. Jonathan, tu avais réussi à sortir de ce milieu. Mais si tu y replonges, ne serait-ce qu'un orteil, tu risques de ne plus jamais en refaire surface. C'est une affaire personnelle. Où t'as eu cette caisse? Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston. C'est à qui tu l'as fait. Ce minable? Ce minable est John Wick. T'as repris le boulot? Non, je règle juste deux ou trois trucs. Rassemble tes hommes. Combien? Tout ce que tu peux avoir. Salut, John. Je me suis permis d'entrer. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis de retour. Oui, je crois bien que je suis de retour. Je n'ai pas peur de John Wick. Votre pressing est bon? Même eux n'y pourront rien. C'est ce que je pensais. Le designer en chef est Elliot Esmin, et ce sera son baptême du feu, car il n'a jamais occupé ce poste auparavant. À la base, il travaillait en tant qu'ingénieur mécanique chez Stern. Il a travaillé sur les flippers WWE, Ghostbusters, Monster, Star Wars, Teenage Mutant Ninja Turtle, Rush et James Bond.
Il a été récompensé au Pinball Hall of Fame du Pinball Expo 2018 pour ses prouesses techniques. Il a notamment fait l'hyperloop du flipper Star Wars. Geometry of this game. So I developed the Death Star and the Hyperspace Accelerator. So the accelerator is a major toy in the game. There's a shot that feeds balls into this loop. And a ball is going around and around and around and around in the accelerator, and then another ball comes out. So you're flipping one ball, but your main goal is to put the second ball into the accelerator. And if you succeed, then you got two balls going around and around and around, and it kicks out a third ball. It's badass. It's almost kind of scary. It's like, you know, it shakes the whole game. It's cool. When this first came online and going around, we're like, yes, and everyone came in and looked at it. We're like, oh my God, this is gonna be so cool. Like, people are just gonna go nuts. The way it works is there are four magnet coils. There's a certain delay that is in software, and so by the time it reaches from the first magnet to the last, it is going much faster. Tim Sexton, de son côté, est en charge du code. Il a auparavant réalisé le code du Deadpool et du Black Knight Sword of Rage. Les illustrations sont de Randy Martinez. Il a auparavant réalisé les illustrations du Star Wars Comics et du Mandalorian. Ian McShane, qui incarne le rôle de Winston dans John Wick, a réalisé les appels vocaux personnalisés pour le flipper. Stern a demandé à Charlie Benante de réaliser la musique originale du flipper. C'est un musicien américain connu comme étant le batteur du groupe thrash metal Anthrax et comme étant le principal compositeur d'Anthrax. Depuis juillet 2022, c'est aussi le nouveau batteur de Pantera. Stern a publié ce 7 mai plus de détails sur le jeu en publiant plusieurs photos et une bande-annonce officielle avec les caractéristiques des trois modèles disponibles, Pro, Premium et Limited Edition. Le prix de vente aux États-Unis pour les modèles Pro, Premium et Limited Edition reste identique au prix de vente du Venom, à savoir 6 999 US$ pour le modèle Pro, 9 699 US$ pour le modèle Premium et 12 999 US$ pour le modèle LE. En France, les prix devraient être les suivants. Tarif Pro 7 500 € hors taxe, soit 9 000 € TTC. Tarif Premium 9 700 € hors taxe, soit 11 640 € TTC. Tarif édition limitée, 13 750 € hors taxe, soit 16 500 € TTC. Voici les trois modèles de flipper disponibles avec à gauche le modèle Pro, au milieu le modèle Premium et à droite le modèle Limited Edition. La Limited Edition. Le modèle haut de gamme de Stern est l'édition limitée. Seules 1000 unités seront produites. L'édition limitée sera dotée de rails latéraux découpés au laser, d'une finition poudrée exclusive, ainsi que d'une illustration réfléchissante en feuilles d'argent brossée réalisée par Randy Martinez pour le caisson. Le fronton disposera d'une véritable glace miroir sérigraphiée à effet vitrail, tandis que les modèles Premium et Pro auront des translites. Certains extras tels que le lance-bille personnalisé ou le topper seront disponibles à l'achat en temps voulu. Le modèle en édition limitée est livré avec un petit ajout spécial au tablier inférieur sous la forme d'une petite plaque incluant un morceau de costume de John Wick. La provenance exacte du costume utilisé n'est pas tout à fait claire. Il est vaguement décrit comme provenant de la garde-robe de production de l'un des quatre films, mais il doit s'agir d'une pièce de collection pour les vrais cinéphiles de John Wick. Un autre ajout majeur au modèle en édition limitée est l'inclusion du système d'éclairage intérieur du caisson, avec l'Expression Light, composé de LED RVB, intégré s'étendant sur les deux côtés intérieurs de la caisse, ainsi que la présence d'effets de lumière intégrés au haut-parleur du fronton. Ce système n'est pas inclus avec les modèles Premium et Pro, mais peut être commandé séparément. John Wick diffère en permettant aux propriétaires de modèles Pro d'ajouter également des kits d'éclairage Expression Light à leur jeu. Le modèle en édition limitée possède en plus des convolux verts. Il tire parti des plastiques éclairés depuis les slingshots jusqu'au toit de la ville de New York au sommet du plateau de jeu. Au-dessus de la voie de gauche se trouve le marqueur de serment de sang et les cibles fixes associées. Les modèles Limited Edition et Premium bénéficient d'un mécanisme de marqueur animé dont le centre s'ouvre pour révéler les inserts d'empreintes digitales à l'intérieur. Sur la version Pro, le marqueur de serment de sang est un simple décor en plastique plat, non motorisé, qui reste en position ouverte. Près du marqueur se trouve un scoop, suivi de la voie orbitale gauche qui comporte un spinner.
Vient ensuite la première des trois rampes en acier inoxydable, ornée d'œuvres d'art. La rampe Akira comprend deux cibles fixes de chaque côté de l'entrée et débouche sur une rampe filaire vers l'inlaine gauche. La voie du club Cercle Rouge est gardée par une cible tombante et mène au seul bumper du jeu. Le bumper projette la bille sur une banque de 5 cibles fixes qui, une fois terminées, font progresser le niveau du cercle rouge. Les slingshots en bas à gauche et en bas à droite dans cette zone produisent beaucoup de mouvements et d'actions. Au fond à gauche du plateau de jeu se trouve la ligne d'horizon de la ville de New York, formée de plastique artistique éclairée par les bords. Il y a sur ce modèle LE un lock physique à 3 billes, juste au-dessus des cibles fixes, au niveau de la zone du cercle rouge. À droite de la rampe centrale se trouve le Muscle Car, un toy à bâcher. Celui-ci repose sur un plateau qui peut coulisser. La voiture peut ainsi se déplacer sur le plateau pour être percutée par la bille. Le joueur peut tirer sur la voiture et enregistrer des coups sur l'avant de la voiture lorsqu'elle est garée dans sa position d'origine, sur le côté lorsqu'elle est sortie, et sur l'avant gauche si la balle est tirée autour de la voie orbitale et émerge sur le côté droit de l'hôtel. L'hôtel Continental lui-même est un tir de bille captive qui épelle le nom du manager Winston, joué dans les films par Ian McShane. À droite de l'hôtel se trouve la rampe en acier inoxydable Katia qui mène sur une boucle à 180 degrés sur un rail métallique qui alimente l'allée de droite. Sur le côté droit du plateau de jeu se trouve un upkicker où diverses tâches sont démarrées. Ce upkicker envoie la bille sur un rail filaire menant de la rampe de droite à l'inlane de droite. L'accès à cet upkicker est normalement bloqué par le coffre d'armes de John Wick. Il s'agit d'un autre toy animé qui peut être ouvert en tirant sur la paire de cibles fixes ci-dessus. Bien que Stern ne le précise pas ouvertement, il semble que les trois versions du jeu disposent du même plateau de jeu, les éventuelles variations étant liées à la présence ou non de certains mécanismes. Les illustrations sont les mêmes sur les plateaux des trois modèles, et même la voie centrale du Red Circle Club du modèle Pro a toujours une découpe sous le plateau de jeu pour la cible de largage manquante sur le modèle Pro. Un simple cache rouge permet de pallier à ce manque. George Gomez a également publié, lors d'une conversation en ligne, les raisons pour lesquelles il n'y a pas de pistolet sur l'artwork du flipper. C'est une restriction du propriétaire des droits Lionsgate, et il pense que cela ne sera pas un problème au vu des 40 minutes de médias vidéo présents dans le flipper où l'on voit John Wick et son flingue. Le modèle premium comprend tous les mêmes mécanismes que l'édition limitée, mais n'est pas livré avec l'échantillon de tissu sur l'apron, le moteur shaker, la plaque numérotée, la vitre anti-reflet sur le plateau de jeu, les haut-parleurs améliorés et la véritable backglass sérigraphiée à effet miroir. On voit ici la plaque numérotée sur l'édition limitée, l'éclairage personnalisé sur les haut-parleurs de l'édition limitée, l'échantillon de tissu du costume de John Wick. Passons au modèle Pro. Le modèle Pro ne dispose pas de plusieurs des mécanismes présents sur les variantes Premium et Limited Edition. Sur le modèle Pro, pas de backglass sérigraphié, mais un simple translight, comme sur l'édition Premium. Le caisson est revêtu d'un autocollant standard et ne comporte pas de surface réfléchissante comme sur la version LE. Au niveau des mécanismes absents sur la version Pro, il n'y a pas de lock physique au-dessus du Red Circle Club dans le modèle Pro et la voiture est statique. Sur la version Pro, le marqueur du serment de sang est non animé, c'est juste un plastique plat. Et enfin, sur la version Pro, le coffre d'armes reste également statique. On voit que les avis sont comme toujours très partagés. La plupart des avis négatifs que j'ai pu voir portent essentiellement sur l'esthétique du jeu. Soit on critique le style graphique de Randy Martinez sur le Premium et l'absence d'armes à feu sur le design du plateau ou la backglass, alors que c'est un peu la marque de fabrique de John Wick, ou bien on critique l'aspect un peu trop cheap des toys ou des éléments de décoration présents. Il est certain que vu les prix demandés, 16 500 € pour un modèle limited edition en France, les acheteurs sont devenus exigeants. Le gameplay a l'air sympa, les musiques seront certainement de qualité grâce à Charlie Benante et adaptées au thème. Hâte de pouvoir le tester en version premium ou LE pour pouvoir bâcher la voiture qui sera en mouvement sur le plateau et non statique comme sur la version Pro.
Je vous laisse avec une vidéo sous-titrée en compagnie de Georges Gomez, directeur marketing, et Elliot Esmin, le designer principal, qui vous parle de leur nouvelle machine. Bonne visualisation. Hey everybody, it's George Gomez at Stern Pinball. We're excited to tell you all about our latest hit game featuring the legendary hitman John Wick. You'll take on the role of the fabled assassin on a quest for revenge and redemption. The playfield highlights iconic locations inspired by the film series, including the legendary New York Continental and the Red Circle Club, all set against a dramatically edge-lit New York City skyline. Engage in high-speed chases with John Wick's muscle car. Open John Wick's weapons crate to retrieve an array of deadly weapons. Use the Blood Oath marker carefully or risk the consequences as you take on jobs for the legendary factions of the High Table. The game features a neon noir-themed world under glass. The limited edition includes our game interactive expression lighting system in the cabinet and the speakers. They're both available as accessories for the Pro and the Premium editions. These lighting systems are synchronized and integrated into the game action. John Wick Pinball Games also includes Stern's best-in-class technology and award-winning Insider Connected system. Through Insider Connected, players can track progress, increase their assassin career ranking by completing game objectives, earn game-specific achievements, and take on special John Wick quests. New for John Wick, and just like the assassins in the films, players will receive insider-connected app notifications of objective-based faction contracts. And now, who better than the lead developer, Tim Sexton, to give you a closer look at all of the game features within John Wick Pinball. Hi, I'm Tim Sexton, lead game developer of our newest game, John Wick. We wanted to bring you the John Wick game you've always dreamed of. Loaded with assets from all films, custom speech by Ian McShane, always a pleasure, an original soundtrack composed by Charlie Benante of Anthrax and Pantera. Let's jump into the world of John Wick Pinball and take a look at the features. Custom designed John Wick muscle car bash toy with fast action drifting effect. This muscle car can be bashed in the front, on the door, or it can start multi-ball by shooting around the orbit to bash the nose from behind. Blood Oath marker, which reveals illuminated fingerprints. John Wick's weapon crate sculpted target opens to reveal a hidden shot for weapons retrieval. This shot allows players to start jobs with any of the factions of the John Wick universe. Players interact with an illuminated Continental building by smashing the captive ball. Dramatically illuminated, edge-lit, neon New York City skyline. Stainless steel Akira, Sharon, and Katya ramps. Spelling Winston at the Continental lights the three-ball Red Circle lock. Access the Red Circle Club shoot-in arena via the drop target entrance. The Red Circle Club is a fast action playfield with a pop-upper and a slingshot. The administration eject scoop initiates adversary battles. Muscle car optical spinning target. Gold shot targets feature. A few more coins would be nice. Let's take a look at the features on the Pro Edition. Gamers will experience all of the same action. Dynamic combat system featuring illuminated enemy icons that challenge the player with a new experience every game. The new action video player system dynamically reflects player action on screen. Defeat three enemies? See John Wick do the same. Connect with your friends, track your game progress, take on contracts, and work on your Wick rank with the award-winning Insider Connected system. Experience John Wick like never before in this action-packed pinball battle. Accept your contract today and become the world's greatest assassin with John Wick Pinball.